Pendant six ans, j'ai travaillé pour une école de commerce française au Vietnam. Je m'occupais d'accueillir chaque année une centaine de professeurs issus de nos établissements partenaires qui venaient pour enseigner des cours, pour recruter des étudiants, pour rencontrer des entreprises, le tout sur quelques jours ou quelques semaines. L'investissement de ces professeurs au fil des ans a permis de faire vivre les programmes délocalisés, d'enrichir leur expérience internationale et de contribuer à l'image internationale non seulement de leur établissement d'origine, mais aussi de l'établissement d'accueil. Je me suis donc dit que le métier de professeur avait bien changé et qu'il devait y avoir de belles perspectives de carrière dans ce milieu. Or, j'ai été surprise d'apprendre que la recherche reste le critère principal d'évolution de carrière académique. Pourtant, des ambitions de recherche élevées semblent difficilement compatibles avec des missions d'envergure internationale. Pour faire face aux enjeux stratégiques que représente l'internationalisation, ma thèse propose donc de replacer la gestion des ressources humaines au centre des stratégies d'internationalisation des écoles de commerce. Ainsi, ma thèse propose une analyse approfondie de l'impact de l'internationalisation sur la gestion de la faculté. Sur la base de trois études de cas complémentaires, la première sur les agences d'accréditation, la deuxième sur des écoles de commerce multicampus et la troisième sur des professeurs, je mets en avant les différents facteurs et conditions des mécanismes récursifs de la structuration des carrières dans le milieu académique, notamment le rôle des communautés de pratique, les comportements mimétiques, la pénurie de profils qualifiés et la distance culturelle. Si le recrutement de professeurs étrangers et les incitations à la publication classée ont été des facteurs clés dans les stratégies internationales. En choisissant aujourd'hui des stratégies expansionnistes, les écoles de commerce sont amenées à repenser leur modèle de gestion de ressources humaines. Se dirigerait-on alors vers la valorisation des compétences internationales dans les écoles de commerce internationales